Il sait que le temps joue contre nous. La puissance du geôlier grandit. Il faut endiguer le flot d'anima qui se déverse dans l'ordre. Restez sur vos gardes. Les nations vont chercher par le terrain. Sérieuse, et notre ancien général s'y rebelle, sans oublier tout un ramassis de mortels qui court à une mort certaine. Assez joué la comédie, Denatrius. Venez nous affronter si vous l'osez. Je vous ai déjà entendu fanfaronner de la sorte, Renatal. Nous savons tous deux comment ça s'est terminé la dernière fois. Dommage que vous n'ayez pas retenu la leçon. Peut-être ai-je été trop rapide. Il est vrai que la compassion est une seconde nature chez moi. Commençons votre expiation par un désir de bonne foi. Everything. How'd you cross by the storm?
no point in blaming you, you did not know. How I thought you were the one for me, that's why I give you everything. How would you cross by the stormy seas, oh, you meant the world to me.
On a commencé à 10. Il y a quelques mois, c'était pas ça. les absents nous manquent, hein, y a pas à dire. Pensez à cut dans votre pierre si vous pouvez, genre ça, voilà. Ah ouais d'accord, je peux pas te soigner, lol. T'as une malédiction. Pierre. Oh le méga soin. C'était pas nécessaire mais merci. Non mais en fait t'avais un... C'est pas moi, t'avais un debuff qui faisait que je pouvais pas te soigner du tout. Ouais c'est le même que Hurlel pose. Et t'as repété d'un coup, alors je sais pas si c'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Je m'occupe de cut celui de droite si quelqu'un peut se mettre de mon back. Ok, a été cut, je vais voir si je peux le voir. J'ai interrompu sur le mal de vac. Parfait. On recule pour pas poule de boss. Si je crois qu'on peut pas normalement, c'est bon. Hop. Tu voudrais expliquer la strat sur celui-ci? Non. Parfait. Enfin. Bon, je vais poser un. Je vais poser un festin. On a faim. Hop là, c'est posé. Manger. C'est sacré. Alors cette semaine, pour info, on a travaillé, je parle pour le Red Leader, on a travaillé sur... Cathy a fait un travail, Kat a fait un travail sur son personnage, notable. Ouais. Pas mal de mythiques, pas mal d'enchaînements mythiques pour récupérer des stuff, des compos et tout. Donc il devrait être un peu plus au rendez-vous et avoir un peu plus de survivabilité. Salut. Salut Maë. Salut. Parfait, on n'a pas encore commencé le premier, je t'invite. Le groupe est bien fait, Pasto. Je suis à 195 10 level au final. Oh, c'est bien. Bah, après, j'ai même pas fait les pièces de stuff de la congrégation. J'ai récupéré en mythique, 2-3 trucs à l'HDV et le reste c'est du mythique et du d'intrigue. Besoin qu'on se TP, Maë ? Ouais, je voudrais bien. Un jeu ? Je sors. Et de mon côté, si je me démerde bien, la semaine prochaine, je devrais venir avec mon roi. Pourquoi ? Ah, parce qu'il serait stuffé. Non, mais pourquoi Ouais, alors on en reparlera. Pourquoi ? Bah, ça va dépendre de l'e-level, en fait, je pense. Oui, bah, il sera 180. Hein. Tu viens avec le roi, Maë ? Non, mais de toute façon, on en reparlera. C'est pas à la demande, hein. Genre demain je viens avec mon prêtre, faut qu'on voit avec le RL quand même, par rapport à l'équilibrage. Hein. Parce que si on se retrouve tous avec des cash, ça déséquilibre le RL. Je passe d'un cac à un cac, donc... On en reparlera, Vlad. Bref. C'est avec moi qu'il faut voir ça. Non, il n'y a pas de vrai, on en parle avec le RL leader. Et puis, tu prends pas son sauton s'il te plaît. Hop, je t'aide à TP Zopt. Ok. Du coup, on n'aura pas de bonbons. On n'a pas les bonbons d'Ashnar. Ah, mais renvoyez-moi celui-là. T'avais 4 persos, Maë ? Je prends mon démon si vous voulez. Hein. Il avait des bonbons, une pierre de soins et des gates. Hein. Y'a pas de soucis, moi ça me fait pas chier du tout. Hein. Non, bah, alors, du coup, si ça t'embête pas, je préfère que tu viennes avec nos démons. C'était pas lâcher ça, Maë, je suis désolé. Non, mais moi je m'en fous. Hein. Vraiment, je m'en fous. Donc ça va permettre d'équilibrer les distances avec elle.
Je regarde si j'ai mes bons intermédiaires. Ouais, c'est bon. Merci TP. C'est bon pour toi ? Ok, tout le monde est là ? Yep. Fini. Bah, il est en rampe d'arrivage, Zolt aussi. Quand on peut pas se transformer en forme de monture, allez. Ouais, il aurait pu au moins trouver une baisser la possibilité. Dans l'antre, on peut, mais. Dans l'antre les... Dans le raid, on peut pas. Dans l'antre, on peut, et je crois. Mais par contre, je crois que personne ne peut monter dessus, je sens. Si. Non. Ah, ouais, entre, les druides sont très très blessés. Ah ouais, tu m'étonnes. Les gorgones aussi, parce que du coup, ils voyagent en forme de. En ventre à terre en dans l'antre. Oui. Mais l'antre, t'es en extérieur. Hein. Oui, c'est vrai. C'est juste que ta monture te répond pas. Et là, on est à l'intérieur. Prends les bambans. T'es bien à l'antre. T'es bien à l'antre de l'antérieur. De l'an. Bah, du coup, t'as ta bouche, Maé, parce que du coup le festin est parti. Non, mais c'est pas grave. Okay. Au prochain boss. Ouais, merci. C'est Haribo, j'espère. Si j'ai mal. C'est Haribo ou Caillou. Parce que je préfère l'outil en fait. Ah. Ah, alors que tu vis à 3, tu fais des overdoses de, d'Haribo. Pierrot gourmand. C'est fermé. Pierrot gourmand. C'est plus vintage. C'est d'un autre âge. Pour info, il est tanké sur l'étoile en propre. 5, 4, 3, 2, on rappelle les économisations sur les murs. Il y a le créateur distant, bloquez-vous. Dans 4. Allez, on se met derrière, il casse le créateur distant, on se planque. Mo, n'hésite pas à utiliser son bonbon. Pareil, Teloria. Pareil. De toute façon, là, il est en phase 2. Ça sert à rien de le taper, faites gaffe à son corps.
Ragu, pareil. Pas du tout le bon devenu. J'ai déjà essayé une tête. Ok. N'oubliez pas de en permanence casser la ligne de vue. Attention, cri. Et éviter les ronds blancs, évidemment. On a pas besoin de changer de poteau. Allez, on passe en P1. Et à son distance, on se flanque. Ouais. Il y a quelqu'un dont on entend le son du jeu. Je vais essayer de voir ce que c'est. T'as fait quelque chose, c'est que des points. Création descend dans 2. Et vous, bye. C'est top. Il aime vivre dangereusement. Non, c'est la connaissance qui me bluffe. C'est-à-dire que moi, ça faisait déjà 10 secondes que j'étais planqué, tu vois. Mais tu te battais pas, quoi. De peur de me le prendre. Pas de son combat planqué. Oh oh. Je suis allé dans le tir. Ah. On va mettre de l'autre côté, je pense. Hein. Ouais, la dernière phase va être un peu compliqué. Est-ce qu'on mettrait pas une BL? Si, si, vas-y, Ryuk. Dans 4. Yay. 3, 2, 24. J'ai cru voir un petit toucher rectal là. Pourquoi? Non, non, ouais, moi. Petit coquin. Bah écoute, je m'en ça progresse, 4, ça progresse bien. Ouais. Du coup, il s'en est pris tout. Double toucher rectal, boum! On longe à gauche. Chop dans le kick. On n'a pas entendu Lise. Ouais, on t'entend plus loin. J'avoue que j'ai une ceinture si quelqu'un veut. Petite ceinture 200. Non, c'est un double que t'as looté. Oui, c'est une cape que t'as looté. Cap polyvalence maîtrise. Si ça intéresse quelqu'un, qui se taise, enfin qui se manifeste, qui parle de se taise. Si ça intéresse quelqu'un, il ferme sa grosse bouche. C'est dit poliment, ça va.
Ça mouille si t'as de la drive. Ouais. En fait, c'est ça, politesse, c'est le deuxième prénom de Zolt. Non, c'est diplomatiquement correct. Je suis très mal placé pour parler de poli. Eh, mais c'est un peu qui parle. Attention, Tine. Aïe. Ouais, les bombes, c'est pas des buffs, Ara. Aïe. Reviens en arrière, Réal. Attends, je vais aller la chercher. Tu veux la chercher? Ouais, j'y vais, j'y vais. Un chaman avec des totems. On revient dans la salle d'Hurlel. Alors du coup, comment t'as fait pour t'arrêter à toi? Ah, c'est pas mal. Ouais. Tu manges la gauche pour pas pour les packs. Et tu te laisses quitter ici. Mais tous bien contre le mur là, sous la torche. Ça va faire feu. Le chenil a pris. Tu récupères le même milieu toujours. La femme, c'est ouais, ouais. Oui. Que nous puissions accéder à nouveau. Je sais que tu aimes récupérer les mains. On va tous venir et on peut sortir. Que les mineurs peuvent miner les gorgons. Ça rapporte des cailloux. Bon, ça rapporte rien qui se vend. Mais... C'est ça. Les outils d'alt, oui. Vous en avez rappel ici ou vous vous souvenez? Non, moi je veux bien faire rappel. C'est ce que je me disais. J'ai jamais fait avec vous. Je sais pas comment vous y prenez. J'ai jamais fait avec vous, je sais pas comment vous y prenez. Comme les autres. Allez, c'est parti. Meurs mieux. Donc, sur le premier chien, il saute sur quelqu'un, il faut qu'on se pack sur ce quelqu'un. Quand il saute sur une distance, on se pack sur la pièce. Mmh. Voilà. Okay. Oubliez pas que le boss, on fait des groupes. Les distances, en tout cas, on se met deux par icône, sachant que les deux heals se mettent au milieu. Parce qu'il fait des cônes, donc si on pouvait éviter de tous le prendre dans la gueule, c'est agréable. Et pareil pour les flèches au sol. Ensuite, pour Margast, il est tanké dans le coin. On va essayer de pas gros tout le bordel. Il est tanké par ici. Et quand l'ombre apparaît, il le fait. Timmy va le faire bouger jusqu'au string. Histoire que moi, je vais piège glacer l'ombre pour pas qu'elle caste. Vous continuez à taper le. Bargast jusqu'à mon top où là on switch tous les DPS sur l'ombre pour la casser en deux. Je rappelle qu'il y a une ombre à healer pour les heals. C'est un plat vert qui se promène. Et pour le troisième, on pose les AOE qui nous met sous les pieds le plus possible contre les murs de la salle. En fait, on va faire réduire l'espace de la salle au fur et à mesure. N'hésitez pas à demander les inerves. Car à rajouter les 4, donc grosso modo ce que tu dois retenir c'est que tu restes dans le pack, t'évites les zones de flèches rouges qui lancent et les zones d'AE. T'as Miri qui est avec toi sur la partie, enfin qui est sur la partie île, donc il s'occupera de tous les cacs.
Et les distances, ils connaissent tous le boulot qu'ils ont à jouer, donc t'as pas besoin d'aller ni sur la ni sur le carré, ni sur le rond, ni sur le crâne. Toi, tu seras principalement sur la partie losange vert là et l'étoile jaune. Et puis comme la montée de Roma sur la partie gauche quand il viendra donc Bargast et l'ombre de Bargast. Ok. On est bon. On est bon. J'envoie directement le pool. Sachant que les AOE sur les deux chiens, ça tape les deux boss en même temps, parce que leur vie est liée. Pas sur moi. Pour les autres, tu peux jamais sur moi. Ça déroule les cacs. Petite précision à rajouter sur le deuxième chien, Bargast, on fait pas d'AE. Ok. Pas d'AE tant qu'il est pas sur le carré, et fatigue, sur le triangle. Attends, et de... rien à faire. On n'a pas à bouger. Oh. Hop, Pérez sur 4 et les DPS sont pas sur Bargast. Non. Il y en a qui sont encore sur le boss là, c'est sur le. Ouais, y'a pas sur Bargast. Il va y avoir le. Il y a Nada Hill, Healer. Hop, il va y avoir l'ombre qui va pop, donc pas d'AOE. Ouais, Zol, tu peux. Bon, je suis dessus. Je suis en flèche rouge. Gatis, Daeris, Ultracan. Non mais la flèche rouge, on apprend tout seul. Je gère Bargast hein. Ouais. Les DPS, on va passer sur l'ombre de Bargast dans 3, 2, 1, on y va. Et on n'oublie pas de cut, enfin de le stun. Là tu peux lancer là si tu veux. Ok, il est mort, on passe sur Bargast, ça descend très vite, très bien. Il y a Lada Hill. Il va y avoir l'ombre de nouveau, donc pas de consacre. Si il pense à son rebond, jamais. Hop, tu bouges Bargast s'il te plaît. Il y a Telo qui est sur ici. My bad, j'ai lancé un truc qui ne fallait pas. Ouais, tu lancé la prochaine. Lidaline, Pasto. Ok, tu restes sur l'ombre. J'ai mon piège dans 5 secondes, après c'est bon, elle fait le. Je mets mon piège sous ses pieds. Ouh, l'ombre est à heal. Et il y a beaucoup à heal. Ouais, il y a la Daïs. Ouais. Les DPS, on passe sur l'ombre de Bargast dans 3, 2, 1, c'est parti pour un stun d'entrée s'il vous plaît. Merci. Et si, mets-toi un trinket. Je mets tout là. Je peux avoir une lunette. Nerf sur Ariok. C'est lancé. Je vais aider sur Exil. Ok, il y a l'ombre de Bargast qui repop. La Daryl. Je repasse en DPS. Ouais, faut cut l'ombre s'il vous plaît. Allez, on passe sur l'ombre rapidement. Imo, Lidaline, Trauma, Flèche Rouge. Ouais, j'ai vu. On finit l'ombre avant d'attaquer l'autre chien s'il vous plaît. Pas de la cut, pas de la stun.
sera pas là, mais voilà, je suis spam, voilà, je suis spam dodo. Des AOE sur les côtés. Nombre dès que possible. Ah, ah bah ouais, ça va être compliqué. On a un rustre mortel qui est passé. J'ai déjà dit pas trop et t'es loup. Il y a une petite BL ou pas du tout? Ouais, on va craquer la BL et s'il y a un PRS sur moi, je pense que ça passe la merde déjà. C'est vrai, c'est. Hello, soigne-toi! Bonbon, tous là, hein, prenez-le dans le côté. Allez, ça va passer. C'est bientôt mort. Ok, on focus le boss et il va mourir. Ouais, là il enchaîne, c'est cool. Ouais. Bravo! GG. Je suis en dehors, mais faut pas regarder. Désolé. Pas de soucis. J'ai un truc que je vais faire avant. Je vais retirer la donne parce que chaque fois il me pop une fenêtre sur le boss et c'est juste un enfer. Ça me gêne constamment. Ça se déplace, ça. Je fais non, une petite AFK vite que je reviens. Ok. Alors j'ai un coup. Voici le passage qui a été mis pour 200. Ah. Main d'enjeu. À qui veut leur chemin. At maîtrise. Je vais pisser très vite fait, j'arrive. Personne pour le coup. Personne d'autre. Eh ben c'est vendu pour 4. Garo 1700 en cuir. T'as pas monté mon île de paix. Bouge pas. Ah, merde. Et enfin, il y a un truc amusant, tu peux avoir un familier avec ce collier. Ah ouais, oh, trop cool. Tu peux charmer une bête sauvage. J'ai essayé de l'utiliser sur Arya, ça a pas marché. Je suis pas assez sauvage, moi. Ah, merci. Ah, c'est 187 de ouais. Oh, cool. Alors, faut nous régler. Est-ce que quelqu'un utilise le detail partout? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire comment on fait pour retirer ce maudit marque-page? Que à chaque fois que je fais un clic droit pour la caméra, ça m'apparaît un marque-page sur le boss qui est juste une horreur. Ça m'a gêné tout le monde des fois. Excusez-moi, c'est bon pour reprendre.
m'a gêné pendant tout le temps de deuxième niveau. Ouais, je l'ai désactivé pour aujourd'hui, c'est pas grave. Elle est DPS avec son bijou heal depuis tout à l'heure, enfin mon légendaire heal. Ah, intéressant. C'est d'un pas quand même. Tu le sens plus fort ou... Ah, tu le sens plus grand, ouais. Bah en fait il était tout le temps full life mais il faisait pas de dégâts. Je comprenais pas. N'empêche que ça m'a quand même pas trop mal aidé parce que sur le boss précédent, là la polyvalence que j'ai dû sortir quand même. Hein, En même temps on l'a fait à 3 heal alors que d'habitude on le fait à 4. Non, c'est à 3 heal d'habitude. C'est à 3 d'habitude. Ah oui, c'est la dernière fois. Il y a un rat sur moi si quelqu'un veut bien m'en débarrasser. Non. J'ai de l'argent. Tu veux des soins? Attends, bon, non, j'ai pas besoin. J'ai juste pas le transporter. Hein. D'accord. T'inquiète pas, de toute façon, si tu veux pas soigner, moi je peux. Okay. Plus de soins pour toi. Et ben hop, je passe en restauration. Voilà. Je vais juste prendre les bijoux, hein, excusez-moi. Qui veut un petit arbre de vie là? Je vais te mettre l'arbre au niveau. Oh, pas de problème, mais. 4 îles sera peut-être un peu mieux. Mais non. Oui, 4 îles sur les ads c'est bien, mais sur le boss, surtout le prochain, on va passer à 3. Merci. Pour le décure, oui. Tu me payes combien? Ah? Pour le décure, tu me payes combien? Il est liquide, hein, c'est vrai. Oui, il est coincé, il faudrait qu'il descende. Je te paye avec ma reconnaissance éternelle, ça te va? Oh, ça sert à rien. Ouh, il meurt. Alors, Heureusement, ton druide préféré était pas loin. Ouais. Comment ça, c'est ton druide préféré? Je croyais que c'était moi. Éliminer cette créature avant qu'elle ne gagne encore. T'as fait tout, mais t'es pas son préféré. Le vrai druide préféré, c'est mon autre frère. Il me fait mes autres missions. Bon, allez, je vais redonner un peu quand même sa chance à Arion. Parce que ça serait assez long, j'ai vu une amende au niveau HPS. Au HPS, mais à l'overheat, c'est pas loin, je crois. Ouais, je suis dans les meilleurs. Ah, je suis dans les meilleurs. J'ai plus rien à prouver. Hein. On a toujours quelque chose à prouver. Pasto, j'ai envie que tu te rapproches un peu de nous. Toi, rapproche-toi. Je t'en tue mieux là, oh. Ouais. Je suis à côté d'elle. Quand vous voyez un copain avec un rond autour de lui, n'oubliez pas de vous mettre dedans, c'est ça qui meurt. Je vois que personne ne m'aime, Ah mais attends, fallait me dire que c'était toi. Non, parce qu'après c'est de représailles, tout ça, et après les autres, ils vont mettre. Pas de problème. Pas de problème avec la police, mon madame. Non, bah non. Eh merde. Ouais, j'ai un gros cul. Pas toujours. Tu t'es acheté, c'est ça que j'entends? Ok.
N'oubliez pas de loot, hein, il peut y avoir du trash sur les missions. Oui, c'est ça. Le pire, c'est qu'il va devoir faire deux fois la même chose que le chaman. Mais il peut pas y avoir de trash mob sur les loot. Alors, vous vous rappelez de la strat ici? Non. J'ai un doute pour tous. Grosso modo, on va faire un aller-retour entre. Il va y avoir deux clans, le clan rond et le clan triangle. Le clan rond va devoir faire étoile, rond, rond, étoile. Et le clan triangle va faire triangle, carré, carré, triangle. Au début, on fonce tous donc soit sur l'étoile, soit sur le carré, en fonction de notre groupe que notre RN est en train de préparer. Et grosso modo, il va y avoir des espèces de ronds qui vont popper sous nos pieds, qui vont tourner, tourbillonner très vite. Donc il faut qu'il y ait un rond dans un groupe, le groupe de carré, et un autre rond dans le groupe de l'étoile, et que tous les potes soient massés à l'intérieur. Parce que s'il y a un gars tout seul qui porte le rond qui tourne tout seul, et ben il va se faire, ça va lui faire beaucoup. Comme disait Miri justement en préambule de ce combat. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lasers qui vont croquer. Et ça, les lasers, ça va nous faire un espèce de gros symbole sur la tête. Et donc on peut pas le rater sur le complètement miro. Donc l'idée, c'est de sortir du pack. Bon, les copains, ils vont se bouffer le laser qui s'arrête pas, lui, jusqu'au bout. Donc le laser, on sort du pack des copains et on essaye de se le manger solo dans un coin. Une fois que le laser est passé, on se repack. Hein. L'idée, c'est d'être tout le temps packé. Il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est qu'on aura des grosses zones cette fois-ci de ronds autour de nous, donc ils sont beaucoup plus grands les ronds. Et là, quand on aura des grands ronds comme ça, on s'écarte tous. Hop, on se dispatche, parce que ça va exploser, et si on est tous rassemblés à ce moment-là, bah ça risque de faire bobo. Une fois qu'on a appris ces trois, la technique des deux ronds, le petit, le grand et puis le laser, eh bien grosso modo on a appris 90% de la strat. Il y a un moment il fait un gros truc en mode méga vénère et on doit courir. Bah, soit le rond, enfin le bouclier orange, soit le losange vert en fonction de l'équipe où on est. Et on recommence comme ça. Voilà, ça. On fait des allers-retours dans la salle. Voilà. Donc, pour les placer, on se met entre les deux ronds et tout ça pour éviter que ça tape d'autres gens. Et il y a un moment où il faut se dépaquer, je vous dirai quand. Et du coup, parce qu'on avait une petite mésentente sur l'organisation la dernière fois avec Maëri, vous avez proposé quelque chose. Moi, j'avais dit quand il peut arriver qu'il y ait trois petits ronds qui proquent en dessous de nos pieds, tourbillol là, sur lequel on doit être tous ensemble, parce que ça fait des gros dégâts. Mais il faut qu'il y ait un rond, un mec avec un rond sur le triangle, par exemple, un mec avec un rond sur le cercle orange, et le troisième. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'avais préconisé pour que s'écarte un petit peu, pour que ça fasse trois ronds bien séparés. Ouais, si jamais, oui, j'essaierai de call quand tu auras plusieurs ronds dans le même groupe. Là, on devrait en avoir que deux, vu qu'on est 13, et pas 3, mais voilà, si les deux ronds sont dans le même groupe, il faut passer dans celui d'en face. Voilà, si vous voyez un mec avec un petit rond, par exemple, moi, là, supposons, Lilalil, qui est dans le cercle, il a un rond, donc tout le monde se met avec Lilalil. Par exemple, Exta, il a un rond, il est dans le groupe de Lilalil. Bah, Exta, il va foncer sur le triangle, pour être avec le groupe du triangle. Et puis, supposons que Zolt, il est un rond aussi. Il voit que Exta fonce sur le groupe du triangle, donc Zolt s'écarte et se met à part. Donc là où il n'y a pas de couleur. Donc par contre, si vous pouviez éviter de laisser Zolt tout seul, parce que le pauvre, il est quand même gentil, au fond. Et donc, c'est d'avoir un ou deux potes qui viennent avec lui dans son rond tout seul, histoire de partager ses dégâts, sinon il risque de mourir. Voilà, tout simplement. Donc c'est des petits ronds qui tourbillolent comme on a vu là dans les trash loot, les trash mobs juste avant. Et pour rappel, à contrario, les grands ronds, il faut qu'on s'écarte. Mais on le dira, on les collera. Ouais, je vous préviens. Et on va commencer le boss sur le carré et sur l'étoile. L'équipe Timmy, il y a un groupe où... Comment on répartit? Moi, je me rappelle plus parce que j'ai changé à chaque fois quasiment. C'était avec moi, ouais. Pasto. Ok. Donc on est 13, donc il y aura forcément un groupe de 6 et un groupe de 7. Donc je pense qu'on va mettre tous les cacs sur le même groupe. Donc Timmy, Exta, Kat, Lilalil, Pasto et Arazine sur la pièce et l'étoile. Et tous les autres sur le triangle et le carré.
C'est bon pour vous ? Ça marche. Eh bah allez, c'est parti. On laisse les tanks pull. Je vais lancer le pull quand même. Ça peut être une idée. C'est une bonne idée. Je suis fatigué, j'ai mal à mon dos. Merci de prendre le relais sur les strats. On est en train de préparer les deux. Là on a 3-2, je m'en suis pour un petit copain sur... J'y vais. Donc ça c'est les lasers ici, c'est K. Là on a deux ronds dans le même groupe. Je vais avec Ariok. Là on se dépack, on se dépack. On se repack sur son symbole. Donc il y a un rond qui aille en face s'il vous plaît. Des packs. Il y a un rond qui va en face, s'il vous plaît. Un rond dans le groupe. Ok, on court jusqu'à l'autre bout de la salle. Je vais prendre le portail de Naël. Les distances, vous pouvez continuer à le taper. Donc, si vous avez le rond sur vous, vous restez dans le crack. Hein. Ah, je vais les deux. Un béret sur Arasi. On se dépack. Formiasme. Ouch, il y a un rayon qui est parti en plein sur. Ouais, il y a peut-être un groupe qui va mourir. Hein. Pourquoi je vois quelqu'un qui est pas sur ce groupe là? Il y a un rond qui est... Il y a 3 ronds. Il y a 3 gaz. Des packs. Je le reprends. Après le prochain consommé, tu nous mets une PL. Vendu. Ouais, il y a quelqu'un qui a pas bougé la chaîne. Et là, tu peux pas être dans 2 minutes. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu peux renforcer s'il te plaît. Limo les rayons pour avant de les mettre entre les symboles et pas derrière. La BL s'il vous plaît, elle est déjà partie. Je le reprends. On se dépack. C'est normal ici ton placement là? À chaque fois je te fais péter la gueule. Restez hein. Bien sûr. Dans les symboles. Je suis d'accord. Ici, y a un pack de l'opérateur, on mettra devant nous ici. Ou là où il y a tout le groupe. On se dépack. Ici. Oui, j'ai entendu.
Hop, rayon sur Imo Ariok. Hop, Zolt qui passe en face, parfait. Ah. Allez, on bouge. C'est ça, Mairi, viens sur moi. Viens avec Extra, Extra, descend pour toi un peu. On va garder DRS pour le prochain boss. Pensez à vos bonbons si vous pouvez. Des bonus. Ouais, des packs. Ah, ça va pas jouer. Je reprends. Non, va dans le. C'est qui ça? C'est Tello, va dans le groupe. Attends, parce que là il y a les rayons. Chez nous, il y a de la place. C'est pas. Non, ça va être pas proche. Hop là. Joué. Bon, GG. Des petites choses à faire attention quand même. Oui. Imo, Tello, le placement par rapport au laser, qui est pas fou. Helsing, pareil, ton placement est moins efficace que les semaines précédentes. Je sais pas si c'est un manque de repères cette semaine ou quoi. Non, je suis pas en forme ce soir. Ok, effectivement, rien de très grave, hein, mais du coup, on t'inflige des dégâts un peu bêtement. Oui, je sais, c'est. Je sais pas, je suis pas trop. C'est pas trop la grande forme. Ok, donc sur les lasers, Tello, le cercle aussi à maîtriser. Il faut que. Je sais que c'est pas facile quand on fait les soins, mais regarde bien tes papates. Et si jamais tu vois un petit rond qui tourne autour de tes papates, il faut que tu te mettes soit dans ton groupe, bien paqué, soit tu vas dans l'autre groupe, en évitant bien évidemment les lasers, ce qui n'a pas été le cas sur notre coup, t'as failli mourir. Voilà, c'est bon, GG pour que. En un try, oublions-le. Oui, pour l'instant ça se passe bien, hein. Tous les boss sont en travail. On va faire les trash de celui-ci et je vais rappeler, peut-être faire un petit rappel de strat parce que celui-ci n'est pas évident. Casse-couille. Non, ça passe bon. Franchement. J'ai jamais aimé celui-là. Quelqu'un d'autre pour la sphérule d'anima? Oui, ou plusieurs. Ça va être un très trop vite même. Bah, faites un sachement pour. C'est pas pour les. Paladin, prêtre ou chaman. De quoi tu parles, la sphère? Oui, oui. Ok. Par oui, contre, je vois la plaque de sang, je veux bien éventuellement. Alors, attends, on va voir après, parce que là, tu. J'ai donné un collier tout à l'heure. C'est ça. Ton arme est plus faible que la mienne, ça va être 94 Bon, Ariok, t'as déjà eu un doute ou pas? Non, oui, aussi, je l'ai donné. Oui, tu as donné à 4, et ben. Ok. Non, puis priorité au tank quand même. Bah, priorité au Slayer et au tank, et sur les deux rôles, c'est Ariok qui est le meilleur de 1 point. Et je veux bien les grèves si personne veut. Oui. C'est long. Attends, moi je peux pas abandonner le heal. Oui, on fait les échanges après. Ouais. Il est mort sur ce try là ou en bas? Non, je suis mort là, je me suis pas des explosions dans le gueule. Oh, il aurait pas oublié en bas quand même. Ah, vous avez failli quand même. Vous êtes tous passés sur mon cadavre, hein, même pas, même les gars. Oh, quelle horreur! T'es sérieux? Ah, oui, on fait pas ça chez nous, on passe pas sur les cadavres. Désolé. Vous l'avez tous laissé partir, j'ai dit le rêve. J'ai même pas vu qu'on avait un mort, je suis désolé.
c'est pas grave. Et Maëri, t'inquiète, hein. J'ai bien entendu ton message. Y'a pas de soucis, mon vieux. Non problème. Merci. Voilà, et 4. Oui. Focus Culan ou Farah en premier? Merci. Je crois qu'il y a pas de. Ah, les couilles là, avec sa merci en l'air, il faut la tuer. Toujours d'Overwatch. On sent le sel de merci. Non, en fait. J'ai pas beaucoup joué à Overwatch, non. Il y a trois sphères à l'arrière. Oui, ceux qui ont les triangles, là, mettez-les sur les sphères. On va très bien sur les crash. Ah, on est pas du tout sur les mêmes teams. Je suis censé, c'est qu'elle. Il y a des boulettes. Allez, on enfile les boules. Et un ad derrière. Alors, tout ça pour vous remontrer ici à la tête d'une pauvre. Pour rappel, le boss a 4 4 spells différents qui changent en fonction de du remplissage des cuves qu'il y a tout autour d'elle. La première mécanique, donc pour la première cuve qui est la cuve de tout à gauche. Ici. Cette cuve, elle est reliée à la compétence dévoiler les désirs. C'est un tank buster. Le tank prend énormément de dégâts sur cette compétence. Et il faut swap de tank à peu près tous les deux dévoiler les désirs. Quand la cuve est remplie à 33%, un joueur aléatoire se prend le tank buster en même temps que le tank. Et à 66% du réservoir, le tank qui subit dévoiler les désirs doit ensuite s'éloigner du raid parce qu'il va exploser. Le deuxième réservoir est relié à la compétence Anima en bouteille. Elle va jeter une bouteille quelque part, ça va faire une petite zone rouge au sol, et il faut à tout prix que quelqu'un fonce dans cette zone pour se prendre la bouteille, parce que si elle touche le sol, ça met énormément de dégâts à tout le raid. À 33% du réservoir, la bouteille, même s'il y a quelqu'un dedans, elle va laisser une petite zone au sol qui va faire beaucoup de dégâts, donc il faut s'écarter ensuite. Et à 66%, et ça c'est un petit peu vicieux, la bouteille va rebondir sur la tête de la personne qui est dans la zone rouge, et il va falloir que la personne bouge dans la zone qui va apparaître après. Voilà. Ensuite, le réservoir du centre droite, donc le premier de droite, premier en partant de la bosse, est relié à la compétence vice et souffrance. Ça va apparaître des orbes rouges au nombre de 3. Et les joueurs vont. Il y a 3 joueurs qui vont être reliés par un laser, et donc il faut relier les 3 boules entre elles, faire un joli triangle. Pour info, pour que ça valide, il faut être légèrement derrière la boule. Si vous êtes pile dessus, ça ne marche pas. À 33% du réservoir, les lasers vont. Il y a des lasers qui vont sortir de chaque orbe et qui vont mettre des dégâts, c'est pas très dangereux. Et à 66%, ces petits lasers là vont se mettre à tourner. Mais encore une fois, c'est des dégâts vraiment insignifiants. Enfin, le dernier réservoir est lié à la compétence Anima concentré. Il y a un joueur qui va recevoir une grosse AOE rouge sous ses pieds, qu'il faut qu'il rapproche du boss en évitant qu'il y ait du monde à l'intérieur, parce que c'est une AOE qui explose. Et à l'explosion, ça va faire pop un ad que les tanks doivent à tout prix, enfin qu'un des deux tanks doit à tout prix prendre parce qu'il fait énormément de dégâts et qu'il faut focus en DPS. Voilà. À 33% du réservoir, la personne qui est ciblée par Anima concentré est immobilisée. Donc il faudra bien qu'elle se signale pour que le tank aille chercher la turelle.
Et à 66% du réservoir, l'explosion du debuff, ça envoie des orbes partout dans la salle qu'il faut esquiver, mais pareil, les dégâts sont pas fou. Zolt et moi, on va s'occuper de vider les réservoirs. Quand on les vide, on se prend un dot. Donc je le signale pour les heals. Mais forcément, chacun des réservoirs va arriver à au-dessus de 66%. Parce que la boss, elle les cible dans l'ordre. Et elle leur fait prendre jusqu'à 70%. Et nous, on peut pas les vider pendant ce temps-là. Sachant que si un réservoir arrive à 100%, c'est wipe. Mais ça, c'est Zolt et moi qui gérons. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Aucune. Il y a deux pièges principalement sur ce combat. Le premier, c'est les bouboules rouges où on forme un triangle. Ça, clairement, c'est un truc qui peut nous faire wipe, surtout s'il y en a un qui meurt. Ça veut dire que bah, plus jamais il peut mettre la boule, enfin son laser dans la boule, et ça fait tuer tout le monde. Donc ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est l'énorme colosse. Il faut pas le mettre trop éloigné parce que les tanks doivent le taunt. Donc il faut s'approcher du boss et de nos tanks pour celui qui aura l'énorme add qui va popper. Et donc l'idée, c'est on a une espèce d'énorme zone rouge autour de nos pieds, un peu comme tout à l'heure avec les zones bleues du boss précédent. L'idée, c'est de mettre la zone rouge juste à limite, pour ceux qui l'ont jamais fait, juste à limite du boss, de façon à ce que nos tanks se le récupérer l'add qui apparaîtra, et bien évidemment tous les DPS devront focus cet add en priorité. Donc surtout, hein, je l'ai répété sur les deux derniers raids que l'on a pu faire, ce qui est très important, c'est de bien fabriquer le triangle avec les lasers. Il faut se mettre derrière les boules rouges, pas devant ni sur les boules rouges, ça ne marche pas. Et ouais, si vous voyez que vos copains sont bien positionnés, mais que vous gardez le laser est toujours actif, c'est que potentiellement il y en a un de vous trois qui est mal positionné, ça peut être vous. Donc essayez de bouger un petit peu légèrement, en reculant un petit peu pour être bien placé derrière la boule, collé à la boule. C'est important parce que si l'un on prend des dégâts et si l'un d'entre vous meurt pendant cette phase, eh ben, il n'y aura plus jamais possibilité de bien les positionner ces lasers. Oui, c'est faut faire très attention parce que en effet, s'il y a un mec qui porte un laser qui meurt, bah c'est wipe. Manger sur le festin. En fait, tant que les trois boules ne sont pas reliées, tout le raid prend des dégâts. Oh l'horreur. C'est violent les dégâts. Ouais, si tu m'en wipe, ça fait pas du tout. Ok, c'est bon, tout le monde a mangé. Okay. À manger, c'est important. Oui. Hop. Le tank sera. Le boss sera tanké sur la croix rouge, c'est ça? En crâne. Sur le crâne, ok. Et si c'est la merde, pourquoi la croix? C'est parti. C'était très drôle. Okay. Il y a les trois boules. Hop, les personnes qui sont reliées. Recule un peu. C'est bon. Voilà. Rapproche-toi, Ivo. Il va y avoir l'AD. C'est bon, ça va. Les DPS, on passe sur l'AD.
vide mon réservoir qui est à 70%. Attends, je vais en venir d'abord. Vas-y, vas-y. On peut en faire dans le temps. Toi qu'à faire. Je vais avoir les boules à relier. Moi. Je vais faire un Admiral Xing. Bah, je vide mon 18. Vas-y. Il y a Nad à taper. Il y a une flasque qui est tombée. Oui. Utilisez vos mouvements du coup. On peut tenir encore un peu le temps que l'aide. Il va y avoir les boules à gérer. Il y a des bouteilles qui arrivent. Elles rebondissent pas encore. Il vaut bien de pour sa tête. Par contre, ce serait bien qu'elle lâche mon truc là. Comment ça se fait pour sa tête? Je vide mon celui à 90. Ok. Elle est en train de charger le. Oui, je me tire. Où ça passe. Il va y avoir l'AD. Voilà. Faites gaffe de pas rester dans les autres qui sont au sol. Reste longtemps, il y a très mal. Ouh, il y a encore une bouteille qui est tombée par terre. Oui. On reprend le boss. Bonbon et ici, il y a des bouteilles. Ah bah ouais. Je veux bien y. T'es mis de mana. On a déjà mis une. C'est elle ou pas lui? Après tu prends le LAD. Quand elle sera après LAD, je pense. LAD. Je prends la bouteille à dégérer. Je vide la quatrième. Ouais, oui, avant qu'elle se batte. Qu'elle soit. Et on fait la VL, s'il vous plaît. Je vide la troisième bouteille. Vas-y. D'ailleurs, c'est parce que j'ai peur qu'il y ait de la menace en fonction. Bouteille devant toi, avance. Pas de problème. Il va y avoir un Nad Grimo et elle peut pas bouger parce qu'on est sur la troisième bouteille. Je suis sur la bouteille. Elle va rebondir. Non. Il y a un gros Nad à tuer. Je dirais qu'on focus le boss là. Amène le boss, ouais, peut-être sur la croix et vous ferez juste le boss. Ok, bien joué. Parfait. GG.
c'est le premier boss où je meurs pas. C'est le premier où je meurs pas. Le combo. Est-ce que je peux avoir des bonbons démo? Voilà. On l'avait mis avant le combat, généralement c'est mieux avant un boss hein, que pour des trash mobs. Merci en tout cas. Et moi je l'avais demandé et je l'avais dit ça. Bon, on m'en restait un. D'autres vies pierres empruntions ces passages pour satisfaire les caprices du maître. Si vous aviez des orgies auxquelles j'ai assisté. J'ai reçu des gants en cuir niveau 200. Oh! Des gants en cuir niveau 200, couleur sadomasochiste avec. Tu peux les linker? Des clous et. Que je peux les linker, je sais pas. S'il te plaît. Ah, oui. Pense à réparer auprès de Rondel pendant qu'on est là. Je répare pas à prendre le guide. Si personne d'autre veut, je prends. Pas le skin. Ah, bah sinon on garde. Si t'en as besoin, le up avant tout. Non, tu gardes, hein, c'est pas grave. Non. Je reprends. Je saute comme un dégoût si tu veux. J'ai eu un bijou de sang. Est-ce que quelqu'un n'est pas au point sur ses bijoux? C'est un bijou à utiliser qui dit que vos 5 prochaines techniques de dégâts applique détresse psychique, ce qui inflige 1692 points de dégâts d'ombre et augmente les dégâts que la cible subit de détresse psychique de 1% pendant 5 secondes. Tu me lèves jusqu'à 25 fois. J'ai un bijou 194. Vous en êtes comment sur les bijoux les autres? Moi j'ai un bijou de sang qui me fait monter ma hâte selon la carte. Ouais, et le deuxième? Et le deuxième, c'est ta recharge médicale spéciale de congélation de 20%. D'accord. Imo, t'es en combien e-level? Moi, je suis en e-level de 103 et mes bijoux, ils sont en 194. C'est à G-Force. T'en as pas besoin. De toute façon, c'est à G-Force. Le point. Oui, oui, de toute façon, oui, c'est à G-Force. Je t'en prie. Et je rentre. Attends, ouais, vas-y. Bah Zod, je vais te le donner, non, toi t'es Intel ou t'es Agi avec... Je suis Intel avec... Quand je suis de cette forme là. Un gros boule de chasseur. T'arrives plus à passer les encadrements de port pour petit poulet? Non, c'est à cause des bréchets de poulet tout à l'heure justement. J'en ai mangé un il y a pas longtemps. Je leur mange un samedi, ça va. Ah bah ça commence à me manquer. Ça vive. Les vents et l'alimentation. Merde, hein, c'est pas possible. Putain de piège. Putain, parce que t'es jaloux, t'es obligé de bouffer des haricots verts. N'empêche que j'arrive à perdre du poids malgré tout. Ouais, parce que l'alimentation de merde peut-être, mais un tender pour KFC c'est que 2 points sur Weight Watchers. C'est ça. Oui. Ah, oui, c'est vrai, un bucket c'est 30 points. Voilà. D'ailleurs, nous, on en mange tous les samedis avec Miri, ben, on maigrit.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie. Ah mais par contre pour le coup de Wet Wet Shop, c'est véridique parce que moi je suis le régime Wet Wet Shop. Ouais enfin voilà quoi. Ah, par contre oui, bah tu rajoutes la sauce et les frites, ça explose. Ouais. Et le soda et tout. Alors pour le coup je ne bois plus de soda. Ok. Oh, ça fait grave plaisir de pas avoir du tout de soda. Le chocolat. Écoute. Là, moi je veux pas le soda ça. Moi je ferme. Bah ça reste du soda quand même, ça reste du soda. Coca Zero c'est encore pire mec hein. Non c'est il y a beaucoup moins de sucre. Beaucoup. Le Coca Zero fait 0 points d'après Wet Wet Shop pour le. Il y a 0 oui, sucre dedans et le cig. En fait vraiment il y a 0 sucre. Meilleur que Coca Light. Ouais ouais. Coca Light c'était du l'aspartame et c'était très mauvais pour la santé. Je crois qu'on a mangé. On en a vu pendant des décennies. Et en fait ils ont remplacé Coca Zero par le Coca Light. Ils l'ont remplacé par le Coca Light qui avait une image beaucoup plus sympa. Mais comme le nom était un peu déjà pris, du coup ils ont appelé ça le Coca Zero. Et le Coca Zero n'a pas été créé synthétiquement. C'est du sucre de stevia. La stevia est une feuille et en fait ils arrivent à métaboliser du sucre. Alors c'est pas ultra aussi naturel ouais. Qu'on aimerait, mais en tout cas ça donne un goût de sucre et c'est meilleur pour la santé que l'aspartame. Pour autant, ça reste métabolisé, pas un truc qui crée vraiment naturellement. T'as beaucoup moins de sucre que oui. Oui, dans une canette de coca, t'as du sucre, je crois. Normalement, dans tout ce qui est. Dans toutes ces boissons-là, il n'y a pas de sucre du tout, puisque ça concerne aussi principalement les gens qui sont allergiques au sucre, outre les gens qui ont envie de maigrir. Ah ouais, que les gens qui sont allergiques au sucre puissent en boire. D'accord. Ouais, moi j'ai une amie qui est allergique au sucre. Putain, ça va pas être simple. Non. Il y a du sucre dans tout, hein. Tu achètes du saucisson chez Carrefour, il y a du sucre dedans. C'est pour ça que. En fait, c'est du sucre dans plein de choses. Mais n'importe quel sucre est le sucre naturel. Le sucre, c'est naturel, hein. Oui, non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est n'importe quel type de sucre est allergique. Oui. Prends tout ce qui est l'aspartame, ça va. C'est bien. Mon fils en a fabriqué en cours de chimie l'aspartame. Il est revenu, il a dit plus jamais dans la maison. Hein. Je m'étonne. Mon fils fait chimie. Et il a fabriqué au cours de chimie, il a fabriqué de l'aspartame. Pour les deux tanks, je suis en train de coloter un mec là. Et tu tiens en plus hein, tu tiens bien. Ouais. Il reçoit de l'huile. Ah, trop de monde. J'arrive pas à tenir Timmy. Allez dans le cercle vert. On va diminuer vos dégâts. Oh, faites pas péter les bombes. C'est bon. Je crois que je peux supporter le même que toi. Ouais, on a manqué les T'avais trop de mobs sur la tête, Timmy, c'est bon? Ouais. J'avais tout. Faut tout clean, de toute façon, pour ouvrir les portes. Hein. Dès que je puisse raise 4. Ouais, mais ça, faut tout seul, je crois. Ah, c'est bon. Tu leur combat, là. Ah! Ah, ok.
l'avantage de jouer un druide, hein, c'est que des couteaux suisses, hein, tu fais vraiment tout. Putain, c'est clair. Ah, druide, c'est trop bien. Ah, puis là, dans le raid, je le sens vraiment, quoi. Un coup, je passe un heal, un coup, je passe J'ai eu un doigt pour quelqu'un, si quelqu'un veut. J'ai eu un doigt. Je l'ai eu. Je veux pas un whisky d'abord. Un aggro. Ah, ils sont. Si tu veux pas la nettoyer. C'est un casque quoi. Oh, c'est l'endurance, ça peut aller à n'importe qui. Ouais. Ah ouais. Une bague critique polyvalence. Faites un slash round du coup, Lila et Harley. Tous ceux qui la veulent. Mais t'en veux pas toi. Alors, t'as pas de bague de temps. Pour le coup, si tu peux me permettre. Moi j'aurais bien donné à Timmy. Ah si Timmy, oui, j'avais pas vu que Timmy. Moi c'est tank ou même Lila Lynn. Vlad, que techniquement c'est de l'endurance, donc de l'endurance ça peut aller à tout le monde, mais il vaut mieux que ce soit les cacs qui prennent les gros dégâts de zone qui est ce et genre toutes d'objet. Toutes les bagues sont endurance. Oui, toutes les bagues sont non. Bah regarde tes bagues, toutes les bagues sont endurance, ouais. Merci. Bien. Mais du coup. Fais un round, Vlad. Attends, Alfio, t'en as pas besoin, toi, parce que t'as deux bagues. Non, le 114. Je sais lequel il me faut. Ok. Harry, il a eu un loot. Harry, il a déjà eu un loot, ouais. Je mets un plus 1000 pour Vlad. Ouais, Vlad, t'es où? Bah, ou Timmy, ça aurait été bien. Je te vois. Ah, de bouger. Ok, bah, donne à Vlad. Ah, de sauter. Timmy, c'est des. Téléchange, ah bah j'ai un. J'avais pas vu. Ce qu'a dit mon ex et elle a jamais vu. En même temps, c'est la petite celle-là. On va tout de suite ouvrir le portail. Ouais, de toute façon, il faut se les refaire. Ce miroir devrait vous permettre de circuler. Il repop. Oui, ça. Mais bon, c'est si jamais on wipe sur Kael'thas ou sur l'artère. Ah oui. Même si pour l'instant, tout passe en first try, c'est super bien. Ah, mais Kael'thas, à mon avis, on va avoir un peu plus de mal. Ouais, la dernière fois, on l'a first try, Kael'thas. Ah, la dernière fois, où t'étais pas là, on l'a first try aussi. Là, en fait, le first try, c'est que t'es parce que t'es sur le first try pass parce que t'es là. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, la première fois qu'on l'a fait, on l'a pas try. On s'est défoncé. C'est lui qui nous a first try. Bon, bah les gars, il est 23h30, on va rentrer à la maison. Arrête parce qu'on va passer plus tard. Il peut même pas avoir la paix en arrière mort. Thank you.
Ah, Fiora. Ouais, voilà. Tout le monde est revenu à la vie. C'est ici que Benatribu soutient ses âmes les plus puissantes. Pardon. Il y a plusieurs pires instincts pour entre les armes à déchaîner contre ses ennemis. Alors, pour rappel, ce boss, c'est une succession d'ades. Plusieurs vagues qui vont apparaître. La colère. Oui, vas-y. J'attends pour la strat. Fais une petite pause de 5 minutes, sauf pour ceux qui... Sauf pour ceux qui veulent écouter la strat. Et je propose qu'on raconte la strat là pendant les 5 minutes où il y a la pause. Non, moi je dirais pause de 5 et j'explique la strat après. Comme ça tout le monde a le temps de souffler, d'aller fumer. Ok, j'enlève mon fuite alors. Excellente idée.
Je suis Hitler. Il souffle dans son micro. Pardon, excusez-moi. C'est toujours... C'est pénible parce que c'est vraiment au millimètre. Je t'excuse. Il faut vraiment que je le mette pas trop long, pas trop près. C'est chiant du film. J'allais dire une connerie, mais je vais me retenir. De le mettre dans mon cul, c'est ça? Non. Ah si. Alors oui ou non? C'est un re, tout le monde est là. Un re. Ça. Je suis pas prêt, mais je suis prêt. Ça va pas être un bouton. Tu te fesses? You had one job. Je suis prêt, je promets, je suis prêt. T'arrives à appuyer sur les touches pour faire du DPS? T'y arrives, c'est bon. Toi, t'y arrives, c'est bon. Rigole pas, toi, il est juste derrière toi. Hein. Mais moi, je rigole pas, mais moi, dans tous les cas, je te rappelle que depuis ce matin, je suis en train de me stuffer pour être en heal. Je suis là, mais par contradiction, j'ai voté en Cimer. Et Zolt, il est là? Oui. J'ai pas son casque, mais il est là. Comment ça, il a pas son casque, genre que si. Alors, oh merde, il connaît la strat par cœur pour le coup. Il y a énormément d'ads sur ce boss et c'est un boss en deux phases. Une phase où on va se prendre des millions d'ads dans la gueule et une phase où on va se prendre des millions d'ads dans la gueule et en plus son nombre. Voilà. Donc pour les ads, je vais pas refaire la description en détail. Je vais vous dire les plus importants. La première à focus. C'est les infuseuses d'âme qui arrivent des deux côtés de la salle et elles n'ont pas d'aggro. Elles courent directement sur Kael'thas pour lui pomper sa vie. Pour rappel, là, le but de ce boss là est de remonter Kael'thas à 100%. Ensuite, c'est les occultistes infâmes qu'il faut focus. Là, il y en a sur les côtés, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Ensuite, les vainqueurs pierres liées. Ensuite, les assassins Elmorn. Ensuite, le grand tortionnaire d'Aritos qui est là en plein milieu. Et enfin, les démons tenaces. Hop, je vais remettre l'ordre ici. Tac. Ah, vous faites les vainqueurs avant. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, les vainqueurs, plus ils restent longtemps, plus ils font mal aux raids. Ok. La deuxième phase intervient une fois que Kael'thas est remonté à 45%. Je crois que du coup, c'est pas 40. Ouais, il faut plus. Et une fois quand il arrive aux alentours de 90%. Son nombre apparaît au milieu de la salle, il aura 60% de points de vie et 10% de points de vie la deuxième fois. On ne peut plus soigner Kael'thas pendant cette phase, et lorsque l'AD a perdu 15%, il disparaît. Cet AD fait giga mal, il ne faut jamais être devant les tanks, parce qu'il fait des gros cleaves, il fait pop deux phoenix avec lui qui vont focus quelqu'un, il faut à tout prix les contrôler ou les tuer. Mais le plus simple c'est de les contrôler, donc avec des ralentissements, des stuns, des machins et tout ça. S'ils arrivent à vos corps à corps, ils mettent une AOE sous vos pieds. Pendant cette phase, il y a un joueur aléatoire qui est ciblé par une petite zone autour de lui, c'est vraiment pas grand. Cette personne-là, faut qu'elle reste paquée avec les autres parce que c'est un cher, plus on est en bas, on prend des dégâts, et ça pose une zone au sol, donc faudra qu'on bouge. Et une fois qu'il arrive à 100 d'énergie, il fait un énorme geyser incendiaire qui... Il canalise et il tire un cône de flamme sur les tanks, c'est aussi une des raisons pour laquelle il faut jamais être devant les tanks. Quand l'ombre va apparaître, tout le monde, et je dis bien tout le monde, se pack sur le crâne, qui est au milieu de la salle, derrière le boss. On lui pète les fesses, quand on va avoir une zone au sol, on va se déplacer vers la pièce, et ainsi de suite, on va faire tourner le boss autour de la salle jusqu'à ce qu'il disparaisse. Voilà, c'est pour ça.
les ads ils font différents effets, mais l'ordre de focus suffit à les gérer. Sachant que quand vous avez un peu de temps, qu'il y a une accalmie sur les ads, les DPS, une fois toutes les 2 minutes, ils peuvent aller sur les... Vous voyez, il y a des totems sur lesquels vous pouvez cliquer au fond de la salle. Il y en a 4 normalement. Si vous cliquez dessus, vous allez vous faire pomper de la vie qui va repartir directement sur Kael'thas. Donc c'est à faire, ouais, pendant les moments d'accalmie, vous prévenez que Leïl a un œil sur vous parce que vous pouvez prendre pas mal de dégâts pendant ce temps-là. Et ça permet de remonter Kael'thas plus vite. Pareil, il y a les occultistes infâmes, quand ils meurent, ils laissent des flasques au sol. Si jamais ces flasques sont soignées, ça rend 1% à Kael'thas. Et les infuseuses d'âmes, quand elles meurent, elles laissent une boule rouge qui donne un buff de heal de 50%. Voilà. La strat qu'on va utiliser, c'est innerve directement sur Miri qui va focus Kael'thas pendant les 15 premières secondes de combat où on prend pas trop de dégâts pour le remonter le plus possible. Je m'en occupe. Et ensuite, on fait le combat normal. On essaiera de call quand l'ombre va arriver. Et vraiment, la clé du match, c'est de se paquer sur l'ombre quand elle apparaît. Et de la suivre. Ouais, il y a les AE des phénix qu'il faut absolument éviter aussi. Ouais. Donc, il faut bien être ensemble quand on se bouge. Et attention à bien focus les phénix rapidement. Hein. Il me semble que c'est aussi un des prérequis, c'est pendant cette phase. Au moins les contrôler, parce qu'en fait les phénix ils ont tendance à revivre, parce que bah, oui. Spoiler, c'est les phénix. Mais si vous les stunnez, etc. Alors les pièges de glace ne marchent pas, je crois. Mais voilà, tout ce qui est ralentissement, stun, tout ça, ça les arrête. Ouais, pour les heals, des petits tips, ça, Tilly en a posé une. Ah non, c'est Pasto qui en a posé une sur le canal de conversation. Les boules rouges, il y en a plusieurs à proximité, on peut les cumuler. Donc il suffit juste de marcher dessus, c'est pas cliquer. Non, faut cliquer dessus. Faut cliquer dessus, d'accord. Ouais. N'oubliez pas aussi les espèces de boîtes hein, qui sont lancées, là, les réceptacles, qu'il faut healer en priorité, parce que quand elles vont chez Kael'thas, si vous healiez par exemple 100 heal sur Kael'thas directement, dans une boîte, vous mettez les mêmes 100 et ça le heal de 110 ou de 115. Ouais, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant de healer les boîtes qui proc, même si on perd un petit peu de temps à aller les retrouver. Parce qu'une fois qu'elles sont chargées, elles vont direct sur Kael'thas et il prend un gros up. N'hésitez pas à les signaler quand elles sont par terre, parce que ouais. On voit pas. Non. Sachant qu'une AOE heal de druide, je crois que ça les remonte quasiment full. Hein. Ouais, c'est ça. N'oublions pas aussi qu'il y a des passages. Stratégique hein, de soins de Kael'thas, 45% et 70, non 90 90 oui 90 qui font proc son esprit. Donc là en fait on écoute bien le raid leader qui me dira si on doit balancer, enfin qui vous diront du coup si vous devez balancer le rush sur Kael'thas en termes de heal pour le faire passer, parce que il faut qu'on s'assure d'avoir éliminé les gros mobs bien relou avant de le faire passer. Si jamais on le fait passer et qu'il y a son ombre qui proc plus les mobs qui sont avec, ça va être compliqué. En fait c'est compliqué si les infuseuses arrivent, parce que vu qu'elles font perdre de la vie à Kael'thas, ça régène son ombre. Ouais c'est ça. Voilà. Okay. On l'a fait une fois, on a dit jamais. C'est ça. On est encore bon sur le festin, il reste 23 minutes. On va vérifier que tout le monde est là. Ah bah non, moi j'ai plus le pétrin. Ah parce que t'es décédé, mais si... Ouais, pas grave. Ouais, ça ira. Je vais me débrouiller sans. Tu veux de la bouffe Attends, je vais avoir un peu de bouffe. Bonus ouais. De 30 à la polyvalence, ça peut t'aider. Ouais, je suis qu'à 4% de polyvalence, c'est pas ma priorité, mais ouais. Ça sera toujours mieux que absolument rien. Voilà, ah, qu'est-ce voilà. Que j'ai d'autre, je regarde si j'ai autre chose. J'ai 18 à la maîtrise, ça tout bien. Je suis à 27, mais bon, ça peut toujours monter un peu plus. Oui, ça va. Oui. Bah, je veux bien la maîtrise, c'est gars. Ah, merci. Chanté. Ah oui, bien ça. Merci. Ah, des couleurs que j'ai attrapé. Donc là, si vous avez tout bien suivi, on focus d'abord les 4 occultistes qui sont sur le côté de la salle. Pensez à les cut si vous pouvez, parce qu'ils castent des sorts en boucle qui font assez mal.
Ensuite, on focus les assassins et le mort. Et ensuite, le grand tortionnaire. Sachant qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter par-dessus. Donc... C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Deux réceptacles. Il y a des réceptacles d'essence là. On va essayer de paquer lui. Hop là. Je vais donner mon sang à Keltas. Non, mais quand il a plus sur les dates. Focus de vainqueur, je vais rester tout seul sur le grand tortionnaire, je vais buter. Voilà. Arasim, quand tu donnes ton sang, tu peux rester jusqu'au bout. Hein. Oui. Je me suis pris la roue. Non mais même, tu peux, en fait c'est un don, donc tu piques, tu restes et tu lâches. Je sais, mais il y avait quelqu'un à côté de moi au moment où je me suis pris la roue, je me suis décalé. Allez, on focus le vainqueur. Assassin ensuite. Ah, je vais donner du sang. Oui, ok, il y a deux occultistes à l'arrière. Trois. Je me coupe défonce. On va essayer de laisser paquer pour les. Il a une. Ah, d'accord. Je pourrais que tu soyez zone ou 4. Hop, voilà, une petite AOE de hit dessous. Parfait. Comme il n'y avait pas d'autres, j'en profitais pour sauver. Oui. Ah, tu utilises ton ta mana uniquement pour ça? Ah non, t'as pas de mana. C'est de l'AT. Il y a deux occultistes et deux assassins qui vont arriver. Focus d'abord les occultistes. J'ai deux dépenses au moins. Bah si. Enfin non. Un occultiste s'il vous plaît. Ok, on focus l'assassin. Je peux reprendre aussi. Ah, on focus le vainqueur. 44%. Ouais, Keltas est à 44. Bute les infuseuses d'âme qui viennent d'arriver s'il vous plaît. Et uniquement elle, pour le coup, faut vraiment les buter. Une fois qu'elles sont mortes, si on peut faire phaser Keltas, c'est bien. Je prends le vainqueur. Tout le monde se pack sur le crâne, s'il vous plaît. On va le faire phaser. Voilà, tout le monde sur le crâne, tout le monde sur le crâne. D'accord. S'il vous plaît, tout le monde. Et on focus l'ombre de Keltas qui est ciblable. Maintenant, et on reste dans son dos. Ok, on va devoir bouger. Allez, on bouge. Finir la dernière. Prends le vainqueur, je te prends le. Ouais, on bouge. Bouge. N'oubliez pas vos bonbons pour tous ceux qui en ont un. Hello par exemple, Roma, bonjour, Helsing, bonbon. Moi je vais craquer là. Bien joué. Je te récupère l'autre.
Ok, l'ombre est morte. Je veux bien un petit coup de heal s'il vous plaît. J'ai déjà craqué pour le moment, merci. Facile. Parfait, ouais, très très bien. Un peu de mort là-dessus. Prends mon petit là si on peut vite fait, je vais aider un peu. Voilà, un chiotte sur LT, bah, j'ai le droit d'aider quand même si ça sert à rien. Infuseuse. Deux tours, une de chaque côté. Ouais, allez, les infuseuses, pareil, on peut les contrôler. Hein. Donc n'hésitez pas. Tu n'iras pas niquer tout mon beau travail. Il y en a trois. Ouais, il y en a trois, il y en avait deux d'un côté. Je te remets une énerve, Mario. Non, je suis un max. On repasse sur le vainqueur. Vous avez pris la boule de heal, soignez Kaltas. Désolé. Oui. Hop, je vais aller donner mon sang. Assassin derrière. Assassin de la police. Je prends le vainqueur qui arrive, Tim. Le vainqueur pilier, hein, pierrelier niveau de, du focus s'il vous plaît. Il y a des occultistes qui arrivent à l'arrière. C'est bâtard. Il y a deux infocus d'âme qui vont arriver. On a les machins à soigner par terre là. Ouais, mettez une AOE de heal dessous, elles sont plus paquées. Ça va annoncer des infuseuses, mais y'en a pas. Non. Ok, on passe sur le gros vilain. Merde. Assassin. Les assassins d'abord. Pensez à donner vos PV. Oui, ceux qui l'ont fait. Pour ceux qui l'ont passé encore. Ne les laissez pas faire. Qui l'ont fait au début du combat. Occultiste. Il y a deux occultistes à l'arrière et des infuseuses d'âme. D'abord les infuseuses. La deuxième. Ensuite des occultistes et à la fin le vainqueur. Hop, il y a deux réceptacles au sol, si on peut paquer le pierrelier avec tout le reste. Je peux reprendre le vainqueur s'il te plaît. Attention, ouais, il y a déjà. Oh là 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 là. Allez, il y a l'ombre, on se paque tout sur le crâne. Il a passé si vite. On focus l'ombre s'il vous plaît. Et on reste bien paqué. Avancez. Il y a les. Allez, on bouge. Saloperie de bestiole. BL peut-être. Il est déjà mort. Un peu plus tard. Il y a un cher là. Allez, on bouge. Wow. Fini. Bravo. Éclaté. On attend que tout le monde soit reste pour le loot. C'est fait ouvrir. J'ai jamais vu ça. Vous êtes désormais délivré de la tyrannie. Ah, j'avais pu dire, mais c'est là où qui peut me tuer. Suivez-moi. Allez, je vous guiderai sur la voie. Même dans la guilde côté alliance, je l'ai jamais tombé aussi vite et aussi facilement. Ça se passe qu'on est bon, hein. Et oui, je suis d'accord avec Bahiri, hein. Cracher sur ce con là. Vous avez tant à apprendre.
Ouh, le brûleur d'âme. Ouais, il est violent. Hein. Ouh, le brûleur d'âme. Tu perds de la vie, mais t'alimentes un geyser. Oh, les bijoux, tu perds de la vie. Fais gaffe, Fibon. Bon. Ouais, faites très attention. Non, c'est pas à la vie, tu peux jouer démoniste, donc là, elle va devenir prêtre ombre démoniste, en fait. On a le prêtre ombre déjà un sort en plus qui lui enlève des PV. Tu peux faire gaffe. En tout cas, gros GG, hein, ça il ouais, y a ça eu se passe très très bien. Ouais. Franchement, nickel. Ouais. Par où vous êtes passé, donc, les gens? Bah, par où? Pour redescendre. Ouais, bah ouais. Je voyais les copains qui étaient un peu perdus là dans le jeu. Moi je te suis. Très bien, tu as raison. On les passe tous là. Non. Chaque fois tu peux avoir. Alors tu dis Aline est décédée. Pourquoi d'un coup j'ai la croisade sur mon dieu, moi c'est juste des vaches. Il s'est fait arracher la gueule le coup. Il a été assassiné et mort. En fait, quand t'arrives ici, il y a un assassin qui te voit dessus et qui t'explose. Mais c'est souvent lui qui prend. Ah, il a fait une relation de préservation. Peut-être que l'assassin il aime quoi. Bah moi ouais, j'ai pas de problème, hein. J'ai jamais de problème, je sais même pas qu'il y avait un assassin ici. Tenez le signe, tenez le signe. Ouais. Il y a pas mal. T'as remonté, je suis avec vous, je suis fini. J'ai eu un peu peur là. J'ai fait ouf. On s'est mis à 4 sur toi là, je crois. Je suis tourné. Il y a une pisteuse derrière. Est-ce que quelqu'un a besoin de bonbons? Bon, on va en refaire avant le boss, ouais. Je suis tout tous les jeux. Des jeux consommés. D'habitude, tu fais tout le raid avec. Oui. Ah, c'est pour ça que je vais te rappeler c'est souvent parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais des fois, il suffit que quelqu'un le dise et là, tu dis ah oui. Donc voilà. Bon, c'est toujours bien de l'or. On sent le mec qui a joué démo et qui a perdu plein de bonbons et qui nous servit à rien. Oui. Non mais c'est la tristesse pour le démo de faire des bonbons et quand tu sors du raid, tu regardes les inventaires et tout le monde a encore ses bonbons dans les inventaires. À quoi ça me servit que je me casse les culs? Le pire c'est qu'il me demande tellement cher. C'est la frustration, c'est le mage, on lui demande une table. Et là tu vois tout le monde se jeter sur la table comme si c'était la fin sur le monde. Je pense pas prendre. Le petit clapador. Et puis là les bonbons Maïri quand même, ils sont enrobés de mort, ils ont envie de dire c'est fait à la main ou les aisselles quoi. Avec un petit peu de verre putride bien sûr. Hein. Attention les machins bleus c'est pas du... Si c'est pas des buffs. Il faut aller dedans, si c'est des buffs, il faut aller dedans. Quel enfoiré. Comme ça vous utiliserez mes bonbons. Tu es chiant pour moi. Il se reset à chaque combat de boss ton coco. Je crois pas qu'il se reset, il a un timer. C'est une fois toutes les 10 minutes, je crois même. Toutes les 10 minutes, je sais plus. C'est 6 minutes. Moi ça me met. Aïe, aïe, aïe. Voilà. On vient de dire. Mais que ce n'est pas des buffs. Mon cocon, c'est quoi la capacité du jeu? C'est en bloc, j'ai oublié. C'est 6 rêves et ça s'appelle... non, ça s'appelle cocon curatif. Toutes les 10 minutes. Bon, qu'est-ce que je viens de dire? On ne mange pas de graines. On ne mange pas de... Je ne mange pas de graines. J'aime bien. Ah, c'est celui avec l'épée qui est au milieu là, non ça? Oui. That one. Franchement, moi j'aime bien celui-là. Il est cool. Moi j'ai bien aimé aussi. Franchement, je l'aime bien aussi. Alors, je crois que... Franchement, je m'en souviens plus.
trois phases et pas trop de choses à retenir. Première phase, il se passe pas grand chose. Les déchirures dimensionnelles. Donc en fait, ouais, pour faire simple, il y a deux personnes qui vont être ciblées par un sort qui s'appelle déchirure dimensionnelle. C'est un sort qui pose un portail. Et si vous marchez dans ce portail, vous allez vous téléporter sur l'autre portail. Jusque là, tout va bien. Sur la première phase, il faut que les portails soient posés d'un bout à l'autre de la salle. Donc, un sur l'étoile et un sur la pièce au fond. Enfin, pas forcément dessus, mais le plus proche possible de la pièce en tout cas. Sur la première phase, il va faire pop des ZAD, qui s'appellent des esprits fugaces que vous ne pouvez pas taper, qui vous ciblent. S'ils vous touchent, ils vous défoncent. Donc le but, c'est des kites. Le moyen simple de les kites, c'est d'attendre qu'ils se rapprochent de vous, prendre un portail, vous retrouver à l'autre bout de la map, voilà. Ou alors de courir partout. Sachant que si c'est l'âme d'un quelqu'un d'autre qui vous touche, ça ne vous fait rien. C'est vraiment si la vôtre vous touche, vous faites défoncer. Il y a une malédiction qui s'appelle âme calcinée qui pop. Bah voilà, après on prend un peu des dégâts tout le temps. Mais les heals savent gérer, il n'y a pas de problème. Je disais qu'on se prenait un peu des dégâts tout le temps via les glyphes de destruction sur les tanks. Donc oui, pour rappel, les tanks, vous mangez des glyphes de destruction. C'est un debuff qui vous est appliqué et il faut que vous sortiez du raid. Sinon, vous explosez à l'intérieur. Voilà. Les soigneurs, donc il va y avoir les étincelles hyperaluméniques à gérer. C'est un truc qui rebondit sur les alliés. Des failles explosives. Ça fait des petits trucs ronds qui tirent en ligne droite, donc vous pouvez les esquiver, mais on les voit pas bien, je trouve. Et voilà. Donc la première phase, esquiver les esprits, ça va. La deuxième phase, il va faire pop 4 graines sur la salle. Une là où on sera tous paqués, donc vers l'étoile. Une à l'entrée, donc là où on est tous paqués actuellement. Une là où elle bosse, donc au nord de la salle. Et une autre vers la pièce. Le but, c'est de ramener toutes les graines vers la pièce. On les pack et au bout de 10 secondes, elles font une énorme AOE. Et si on est dedans, on est mort. Donc Lilaline, qui est un moine et qui a beaucoup de mobilité, va s'occuper de la graine qui est au nord. Moi, je vais m'occuper de la graine qui est à l'entrée. Et on va dire que... Extra... Oui. Celle qui est là où elle bosse actuellement. Et on va dire que Extra va prendre celle qui sera au corps à corps, sachant que si le portail est bien placé, normalement il aura juste à prendre le portail et à courir un petit peu. Mais au cas où, je préfère que ce soit lui, puisqu'il a beaucoup de mobilité en tant que DH. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à gérer pour cette phase. Mais c'est très punitif en fait. Et enfin la troisième phase, là les portails, il ne faudra pas les poser l'un opposé de l'autre, mais le deuxième, donc celui de la pièce, il faudra le poser au milieu de la salle, à peu près sur la croix. Le boss va faire pop une énorme lame au sol, qui va nous attirer vers elle, et au bout de 8 secondes, elle explose. Si vous êtes dedans, vous êtes mort. Pour esquiver l'attraction, vous pouvez soit vous laisser aspirer jusqu'au portail s'il a bien été posé et vous serez re-TP sur l'étoile, donc vous serez à peu près safe, sachant que faut quand même continuer à courir dans le sens opposé de l'attraction. Soit utiliser tous vos sorts de déplacement, les mammouths, les sorts de faé, les téléportations, tout ça. Le but c'est que dans les 8 secondes, vous ne soyez pas dans la zone de l'épée. C'est tout ce qu'il y a à savoir, c'est juste que toutes les mécaniques sont punitives. Et pendant la dernière phase, on prend constamment des dégâts avec un truc qui s'appelle aura d'effroi. Donc les heals, serrez vos petites fesses. Voilà, des questions ? Non. C'est un on met un festin. On va relâcher le festin. Hop. Voilà. Des bonbons, ça est... oui, c'est déjà ils sont là. En même temps, je peux pas le rater, c'est des énormes de trucs verts. C'est des bonbons à la pomme.
C'est bonbon à la alors... c'est bonbon à la mort. Mais des bonbons à la menthe pour s'en avoir la laine fraîche. Arrête ça. Tellement la laine fraîche que tu vois des crânes partout. Ouais. Est-ce que c'est ok? On va faire un ça. Donc la phase 1 dure jusqu'à 70%, la phase 2 jusqu'à 40% et la phase 3 jusqu'à ce qu'il soit mort. Est-ce qu'on peut juste attendre 45 secondes que je réapprivoise mon pet, comme ça je vais pas le faire pendant le combat? Ouais, vas-y. Alors moi je tiens juste à dire, dernier boss pour moi. Ouais, on va le first try, comme ça on s'arrêtera pile où on était la dernière fois. Ouais, et puis... De toute façon, j'allais dire, hein, si jamais on est allé avancer un peu plus, par respect pour Perséphone, pour Ashnor, pour Doc, Ashnar, pour régulièrement avec nous, j'aurais aimé qu'on voilà, oui, qu'on attend. Ouais, qu'on se stabilise un peu, qu'on puisse continuer à avancer en leur compagnie. Donc, même si la team entre guillemets Alpha, ceux qui ont ouvert les raids sont là depuis le début et je les en remercie. C'est bon. Voilà. Eh bien, je lance le pool. Donc on reste bien paqué sur le portail de démoniste si vous voulez avoir un ordre d'idée. Et bonne année. J'avais hâte de tester ces reliques sur les cibles. Le portail, l'étoile sur l'étoile et la pièce sur la pièce. L'étoile joue pas sur l'étoile. Oui, non, mais enfin, il est dans le coin, quoi. Si vous faites toucher par votre arme, vous le dites parce que du coup vous êtes MC, donc il faudra. D'accord, donc faut qu'on vous DPS. Il y a 4 qui est transformé en. Oui, oui, on est en train de le taper. Ouais. La pièce est sur la pièce. Faites attention à vos esprits. Personne ne peut négocier avec la mort. Attention au transfert de matière. Attention, vous mettez les pieds. Bon. On va passer en phase 2. Donc là, il va y avoir les graines. Je rappelle, Dilaline au nord, moi à l'entrée, et Sissi sur celle qui va pop au fond. Imo va placer ton truc. Ah merde. Là, on a un gros problème de mortal. On sort de la zone bleue, rapidement. Parfait. Désolé pour le travail. Pas de soucis. Du moment que les glades sont gérées, on fait pas engueuler. Et que ça ne se reproduise plus! Oh, c'est ça. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Tant mieux, je pourrais retourner côté Alliance. C'est l'enfoiré. Ouais, la game pas la horde. Non, je dis ça, non, je bosse. Graine dans 5 secondes. Commencez à vous placer, les porteurs. Oh, gros cul de chasseur. Personne ne peut négocier avec la mort. Je suis bourré. Ah!
Tout juste. Oui, tout juste. Essayez de, d'esquiver les failles explosives parce que... Oui, les rayons blancs. Souvent. Et n'oubliez pas, les rayons blancs, ils sont doubles. Ils sont très larges. N'oubliez pas vos bonbons. Il y a les graines. Encore ? C'est la dernière fois. Voilà. On est passé en phase 3, donc ça va être la lame au milieu après. Et le... Des portails, le portail rond, il faut le mettre sur la croix. La lame est posée et elle explose dans 6. Et bien joué. J'ai le truc de druide. Hein. Si ça sert bien quelque chose. Je crois. Oui. Feuille explosive. Personne ne peut négocier avec la mort. Attention aux transferts. On peut mettre une BL ici. Bien chef. Il va. Il est au milieu, ouais. Il y a Cathy qui s'est de nouveau fait. Qu'est-ce qui va arriver à gagner? Oui, on peut lui taper dessus. Bon, il s'est fait MC, il y a plus d'esprit. Ah, c'est du Cathy. Oui, il est transformé en... Il est transformé en bœuf. Quand on a un 4 dans l'affaire... Ouais. Pérez, Primo. Tout là-bas au fond. Go, petit Zolt, go. Mon pauvre DPS, je pleure ma race. Ça va aller, ça va aller. Putain, ce DPS que je perds, reste les uns à aider les deux. Merde. C'est toi qui as voulu jouer druide, hein. Ouais, bah, si tu voulais pareil, tu jouais chasseur. Je tente pas trop, hein, je suis en train de monter. Hein, mais... Allez, ça explose dans 5. Je peux négocier avec la mort. Ok, parfait. Et bah, c'est un first try. Hein. Les exploser les bottes ce soir, c'est un délire. Eh bah, on va se coucher tôt. Oh bah, voilà. Ça tombe bien, il y a encore des gens qui veulent faire du... Pourquoi il meurt pas? Il fait son discours de méchant. Rectal. Parce que c'est énervé, calme-toi. GG. C'est le discours de méchant. Ah yes. Et bravo. Un souvenir. Tu récupères que de la Dima. Oh, bah yes. On est pas mal, hein. T'as récupéré nos pièces. Oui, c'est ça, j'ai récupéré des pièces, je suis mauvais de langue, comme dirait... Eh bien, bravo. Bravo, bravo. On va aller ouvrir le portail devant le prochain boss, comme ça, normalement, la prochaine fois, on aura juste à... Allez, lui fais une chose. Le prochain, c'est le conseil du son. On va pas faire de try... On va pas faire de try ce soir, je pense qu'on va... Conseil du son. Moi, je vous accompagne pas dessus. Si tu as... Tu es pressé et que tu veux déco maintenant, Ara, tu peux y aller hein, sans aucun problème. On va juste ouvrir la suite. Non, D'ailleurs, je sais pas si c'est nécessaire de l'ouvrir dans la mesure trauma où je crois que ça reset et qu'on va devoir se refaire les traces. Ah, je suis pas sûr que celui qui est reset. Derrière. C'est bon, on a le signe. Enfin, je crois qu'il n'aime pas les moines parce qu'il a pas pour moi, je suis passé. Ouais, je t'ai dit, il aime pas les moines, il y a un rat. Je sais pas si il veut le rouvrir, il me semble que la dernière fois il était déjà ouvert. Donc au cas où ça coûte rien d'aller le faire. Au contraire, ça frappe. C'est ce que j'allais dire. Attends, j'espère quand même, on a un vieil assassin contre tout un raid. Il y a que Vlad pour crever là-dessus. Il était tout seul.
Il a rien demandé. Si on continue sur ce rythme-là, avec et qu'on arrive à... Alors, on n'est pas encore à devant Delatrius, mais... Il y a un autre passage. Sincèrement, on parlerait peut-être... Ça, franchement, on avance bien. On sera peut-être sur du... niveau au-dessus, hein. Ouais. On va peut-être essayer l'héroïque à l'occasion. Est-ce qu'on peut mixer héroïque et non héroïque avec des mobs, bien sûr. Ah oui, oui. Ouais. Qu'est-ce gros ça? Alors moi. Ça sert à rien ça. Ça ils vont tous repopper. Ouais mais ça a pas été aggro exprès. On sait jamais si, si tu loot un 270 dessus. Tu as un coup de vue là. Ah ouais. Ouais c'est ça ouais, il va pas tous les dimanches hein, je te le dis moi. Bon j'ai eu 3 PO. Ouais, bah hé, c'est un putain de personnage dans Star Wars hein. J'en ai eu 5 parce que moi ça me coûte plus cher de réparer, voilà. Ah j'ai compris, la blague, tant pis. Oh zol. Pensez à réparer avec la banque de guild. C'est combien? C'est 3 PO. Je vous... Et... Moi je propose qu'on fasse un raid sur le purotin et qu'on récupère notre gold. Eh ben j'en ai pour 15 heures de réparation. On lui pète la rondelle. Je peux dire. Donc il y a des poignets en cuir qui sont toujours disponibles à l'échange, des polyvalences maîtrise, qui, si ça intéresse quelqu'un. Ça intéresse Téloria. Oui elle avait mis moi déjà Télo. Eh ben donne-y voir là. Et Garo tissé de sort en cuir, une taille. Ouais. Une ceinture cuir critique polyvalence. L'apparence est jolie, il y a des petites sacoches à l'avant, il y a un bouton rouge au bout. Ouais. Si tu l'ouvres, ça te pète à la gueule. C'est ça, donc qui veut s'y filer? Non, je crois qu'il y a déjà suffisamment de mots. Tu peux t'arrêter au début du mot, je pense, si t'appuies sur le bouton rouge. J'ai un message pour informer les copains. Et bah gros GG, first try sur absolument tous les boss sans forcément de grosses réexplications de strat. Donc bravo. En une soirée on a fait 6 boss, ce qui est vraiment pas rien. Sachant que ouais, c'est bien, on progresse, le DPS de tout le monde augmente. C'est-à-dire que là il n'y a plus personne qui est en dessous des tanks au niveau des DPS. Donc c'est, je fais combien de DPS s'il vous plaît? Alors moi je te vois à 2229 sur 2000. Tout le raid. Et pour ma part, toi, s'il te plaît? Toi je te vois à 1638 sur tout le raid. Moi, ouais, mais... En tête, pour changer, c'est Maëri avec ses 3975. Oh. Pour ta défense, Kat, le point. Alors moi je pars pas en héros sans Maëri, hein, que ce soit clair. C'est énormément sur son burst. Ensuite, c'est moi à 3275, suivi de très près par Exta à 3218. Ensuite, Lilaline à 3155. Et ensuite, Zoltrakan à 2296, mais il a beaucoup heal. Donc ne le blâmez pas, il est gentil. Merci. Ensuite, Timikana à 2141, mais c'est un paladin. Imo à 1995. Et ensuite Ara à 2229 et Kat à 1638. Ouais mais comme disait Elkira, c'est moi le paladin du coup je se retrouve beaucoup sur son burst hein, donc forcément. Hein. Maëri a mis 15% des dégâts du raid. Voilà. Le Maëri avec son démo quoi. Son démo prêtre paladin, je sais pas quoi. Voilà, bravo à toutes et à tous. C'était vraiment. On a commencé à 21h20, on a fini à 23h20, en 2h, on a tombé 6 boss. Sur les 10. Bravo. Avec, et 6 boss, ça veut dire chambre forte. Oui, alors premier palier de chambre forte. Sachant que la plupart d'entre nous. Ah, c'est 3 ici, je croyais que c'était 7. Ouais, non. Alors, en fait, là, la chambre forte, si vous avez fait du mythique, en plus d'avoir fait le raid, vous allez avoir 2 items qui vous seront proposés.
enfin 3 même, vu que ça ouvre 2 paliers de la chambre forte pour le raid. Si vous avez fait du mythique plus 4, je crois que c'est un item.